Donc là maintenant, dans ce deuxième exposé, l'idée c'était de voir un certain nombre de pistes pour essayer de préserver la santé de la mamelle, avec l'idée que la prévention c'est toujours mieux que d'essayer de guérir les animaux. C'est un exposé, on m'a donné beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, donc j'ai quand même ciblé quelques sujets et je parcours pas forcément tous les éléments. Je vais commencer par quelques rappels, mais finalement ça a été largement déjà détaillé ce matin, sur les mécanismes de contamination et de transmission des bactéries, en reprenant en fait le même genre d'image que vous avez vu ce matin sur lorsqu'on a des mammites subcliniques, quels sont les principaux pathogènes qui sont rencontrés. Et donc on retrouve ici la part des staphylocoques, donc on pourrait dire non aureus, hein, on est raccord là-dessus. C'est quand même 60-80% des isolats qu'on a généralement dans nos élevages. Et puis après, il peut y avoir un certain nombre de pathogènes majeurs. Et dans les pathogènes majeurs, il y a des grammes négatifs, il y a des streptocoques, mais il y a notamment aussi des staphylocoques aureus. Ce qui nous a fait dire que finalement, les staphylocoques au sens large, c'était notre problème. Alors on n'a pas fait la distinction très, très fine qu'on a vue ce matin sur quel type notamment de staphylocoque non aureus il pouvait y avoir. Donc là, ma présentation, elle est moins précise que ça, mais c'est un petit peu pour donner les grandes pistes de travail sur lesquelles on se repose quand on essaye de gérer les infections de la mamelle. Donc on part du principe, même si effectivement, y a peut-être des variations en fonction des différentes espèces, que globalement, les staphylocoques sont présents sur la peau et les muqueuses des animaux à sang chaud. On en fait partie de ces animaux à sang chaud, et donc, notamment pour les staphylocoques aureus, dans les travaux que j'ai pu faire, on avait fait des prélèvements sur les mains et les fosses nasales des gens, et on se rend bien compte, et c'est conforté par la littérature, qu'il y a un portage nasal chez 20 à 50% des personnes, donc y compris pour les staphylocoques aureus. Des fosses nasales jusqu'aux mains et au visage, il n'y a qu'un pas, donc finalement, on en est largement porteur. Chez l'animal, c'est les muqueuses, donc périnée, vagin, c'est bien sûr la surface, on en a parlé ce matin, de la peau des treillons. Un peu juste de raccourcir un petit peu. C'est difficile. Je ne sais pas si j'arrive à raccourcir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. C'est parce qu'il était vraiment devant votre bouche, je ne sais pas, j'en là. Je vais mettre là. C'est bon, merci. On va essayer. Vous me dites. Et puis évidemment, il y a les mamelles infectées qui sont aussi porteuses de ces différents staphylocoques. On va en trouver dans des réservoirs secondaires, donc le matériel de traite, le matériel de fromagerie. Et puis pour aussi avoir fait des prélèvements d'air, notamment dans les salles de traite, on retrouve des staphylocoques, aureus, mais aussi non aureus, y compris dans l'air. Ceci dit, les staphylocoques, globalement, sont de mauvais compétiteurs. C'est-à-dire que face à d'autres types de bactéries, ce n'est pas eux qui prennent le dessus. Donc finalement, on a considéré que la part environnement, on n'allait pas forcément la traiter de manière prioritaire. Donc dans un cadre comme ça, on a en tête qu'une mammite sous-clinique peut devenir clinique et inversement, et que la transmission, elle va se faire d'un animal à un autre, ou d'un côté de la mamelle à un autre côté, essentiellement pendant les traites ou à la fin de la traite, avec une entrée prioritaire qui est le sphincter du treillon. Donc à partir de ce moment-là, quels sont les axes d'action qu'on va pouvoir avoir? La première chose, c'est détecter, et notamment détecter les infections inapparentes. Et on en revient à la présentation de ce matin avec l'importance d'un certain nombre d'outils qui sont à la fois l'utilisation des CMT, mais aussi les palpations de la mamelle. Et derrière les palpations de la mamelle, c'est vraiment essayer d'identifier des lésions éventuellement chroniques le plus rapidement possible. Alors palpation, là il n'y a pas besoin de palper pour se rendre compte que ça ne va pas. Donc c'est une mamelle de brebis avec un ensemble d'abcès qui sont ici très visibles. Et là on a du pus qui sort directement du treillon. On se rend compte quand on va en élevage et qu'on tire un peu le lait que les premiers jets ne sont pas forcément faits. Et de fait on retrouve parfois des infections très visibles avec de la présence de pus directement, alors que les éleveurs sont tentés de brancher directement les animaux. Donc
Une fois qu'on a fait de la détection, eh bien, il y a une part d'élimination des infections. Quand on a des mammites qui sont aiguës, la réforme elle devrait être immédiate. Lorsqu'elle est chronique, quand on a comme ça des abcès, elle devrait être assez rapide. Et puis on peut éventuellement différer la réforme pour des infections chroniques, mais qui sont moins nettes. La prévention, elle va reposer sur la traite en priorité, c'est ce qu'on a listé tout à l'heure, mais aussi, et là j'en parlerai pas, l'alimentation, le logement, la régie globale du troupeau, il y a forcément beaucoup de choses autour du bien-être et de la santé qui vont contribuer à ce que les choses se passent bien en élevage. Et puis éventuellement, il y a des outils d'ordre médicaux en plus, qui peuvent être les traitements hors lactation, donc au moment où on va démarrer le tarissement, et puis la vaccination. Donc deux grands axes, on va gérer d'une part les réservoirs primaires et secondaires, et d'autre part mettre en place des mesures préventives. Donc on va commencer par l'animal infecté. Et donc là, je ne vais pas du tout parler du traitement des mammites cliniques, je vais uniquement parler du traitement antibiotique au moment du tarissement. Donc ça implique de se poser un certain nombre de questions, c'est-à-dire comment on prépare le tarissement, quelle doit être la durée de la période sèche, est-ce qu'on doit traiter tout le monde ou est-ce qu'on doit cibler des animaux, quels sont, si on doit les cibler, quels sont les animaux à traiter, et comment on met en œuvre ce chantier, quelles sont les précautions à prendre. Donc je rappelle juste que un animal se tarit parce qu'on arrête de le traire, donc ça c'est le point essentiel. On a une augmentation de la pression intramammaire et il n'y a plus de stimulation des traillons. Et donc c'est le moment où on se met en place un certain nombre de défenses, défenses immunitaires, mise en place du bouchon de kératine. Et puis on rentre dans une phase de repos de la mammelle qui va évoluer et qui va permettre ensuite la régénération du tissu sécréteur. Donc c'est une période qui va être vraiment importante. Alors, en France, comment ça se passe ? Pour préparer l'arrêt de la production, sur le plan alimentaire en brebis, le tarissement est toujours progressif, à la fois sur le plan alimentaire et sur le plan de l'espacement des traites. Et on réduit, mais de manière modérée et progressive, l'alimentation, en étant vraiment très modéré parce que ça correspond au début de la gestation et qu'on craint les avortements si on était un petit peu trop brutal dans les pratiques. En caprin, on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses, mais l'idée identique, c'est le recours à des transitions alimentaires. On est toujours dans les transitions alimentaires, et ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter tous les apports azotés, parce que c'est l'azote qui va être le carburant du maintien de la production. Donc on va limiter l'azote, on va diminuer progressivement l'apport de concentré, on va maintenir un certain apport énergétique pour éviter que l'animal mobilise trop ses réserves. On va utiliser des fourrages un peu moins riches aussi en matière azotée. Et puis progressivement, quand on arrive après la dernière traite, on va remonter là aussi progressivement vers une ration de fin de gestation. L'espacement des traites, donc pour la brebis laitière en France, c'est le cas le plus classique. Et globalement, hein, on dit de plus en plus dans la littérature scientifique que ces tarissements progressifs, ils sont plutôt positifs pour la mammelle et qu'ils génèrent à la fois moins de stress et moins de nouvelles infections. Chez la chèvre, on a encore moins de références que chez la brebis. Et donc, ce qui se fait en France, c'est soit on arrête de traire d'un jour à l'autre, soit les éleveurs font une période de monotraite qui peut être plus ou moins longue. Et effectivement, c'est sûrement bénéfique, au moins sur les fortes laitières qu'on a parfois du mal à tarir. Le fait qu'on s'attaque à des staphylocoques, et là plus particulièrement je vais parler de staphylocoque aureus, ça a plein d'implications sur le choix de l'antibiothérapie. Les staphylocoques, ce sont des intracellulaires facultatifs, donc on a une forte propension à ce qu'il y ait des infections chroniques. Et comme ce sont des intracellulaires facultatives, il va falloir que nos produits ils aient une diffusion potentiellement intracellulaire. Ensuite, on sait qu'il y a une résistance naturelle, notamment aux bêta-lactamines. Donc ce qu'on a remarqué dans l'étude des souches qu'on a en France, notamment chez la brebis, c'est qu'on avait dans ces souches déjà un certain nombre de résistances à des antibiotiques. PNICNG, ça correspond aux 10 à 25% des souches et jusqu'à 30% pour les tétracyclines.
Ensuite, les staphylocoques, ça implique quelque part la formation d'abcès. Et une fois qu'il y a des abcès, c'est inutile d'envisager que les antibiotiques puissent pénétrer jusque-là. Donc, l'idée, c'est vraiment une précocité de traitement. Et enfin, on a un certain nombre de souches qui sont capables de produire des biofilms, ce qui peut leur donner une résistance accrue. Donc là, il faut aussi s'intéresser à la durée du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le coude ? On est un petit peu plus riche peut-être qu'au Québec, mais pas très riche quand même. Donc là, vous avez deux produits phares qui sont utilisés en France. Il y a donc deux produits homologués pour la brebis et il y en a un seul pour la chèvre. Donc nous n'avons juste pas le choix, il y a un seul produit. Le produit homologué à la fois chez la chèvre et la brebis, c'est le nafpinzal, qui comporte en fait une association de trois antibiotiques. Pénicilline G, pénicilline M et aminoside, qui sont globalement des molécules qui vont persister assez longtemps. Donc en fonction des molécules, ça va de 40 à jusqu'à 98 jours. Donc c'est finalement des produits qui restent relativement longtemps dans la mamelle. Alors ça explique sans doute que, notamment chez la chèvre, vous voyez qu'il y a un délai d'attente après la mise bas qui est de 10 jours. 10 jours, ça veut dire que les gens jettent le lit. Et quand ils sont en élevage biologique, il faut qu'ils doublent le délai d'attente, donc c'est 20 jours. Donc c'est rédhibitoire, en gros. Voilà, ce délai d'attente, il est un peu plus faible chez la brebis. Le second produit, mais qui n'est homologué que chez la brebis, c'est le céphovète, avec ici des céphalosporines de première génération. Donc là aussi, je ne vais pas parler de la voie générale. On privilégie toujours la voie intramammaire, parce que globalement, c'est a priori la plus efficace. Et d'autre part, c'est celle qui permet de mieux réduire les risques d'antibiorésistance. Il y a deux autres produits qui ont fait l'objet d'essais, mais qui ne sont pas homologués. Et c'est essentiellement chez la brebis, qui sont le cloxagel avec de la pénicilline M et un aminoside, et le spesurlag, qui contient notamment un macrolide. Et celui-là est intéressant et est parfois utilisé quand même en caprin, quand on a des problématiques de mycoplasme. Ça ne permet pas de guérison bactériologique, mais ça permet de limiter un petit peu la clinique. Et donc dans ce cadre-là, on va utiliser ce produit qui a une distribution tissulaire et intratissulaire qui est relativement intéressante. Ensuite, le choix des animaux à traiter. On est aujourd'hui dans des programmes de diminution des risques d'antibiorésistance. Donc globalement, le mot d'ordre, c'est on ne fait plus de prévention à base d'antibiotiques, on fait des traitements, donc on va forcément cibler les animaux malades. Donc on va essayer de traiter essentiellement les chèvres ou les brebis qui sont présumées infectées. Ce qui implique qu'on ait une information pour essayer de les trouver, ces animaux présumés infectés. Ensuite, éventuellement, on peut avoir des femelles à risque. On peut comprendre que les éleveurs aient envie de préserver un certain nombre d'animaux qui sont sains, mais qui ont soit plus à risque parce que ce sont des fortes laitières, soit parce qu'elles ont un très bon potentiel génétique. Et puis quand même, lorsque la fréquence des infections dans le troupeau est vraiment très élevée, dans ce cas-là quand même, on va peut-être systématiser le traitement. Mais globalement, l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter les traitements systématiques, comme on faisait autrefois chez la vache. Ce que j'aime à rappeler, c'est que des animaux qui sont incurables, c'est l'étymologie du mot, ils ne peuvent pas guérir. Donc quand on a des infections chroniques et qu'on a des animaux incurables, c'est pas la peine d'utiliser des antibiotiques qui de toute façon n'atteindront pas leur cible. Pour orienter donc les stratégies qu'on va avoir, je vais prendre quelques exemples pour choisir finalement entre ne rien faire, réformer ou traiter. Lorsqu'on a des déséquilibres de la mamelle, on a donc une perte fonctionnelle par fibrose. Généralement, elle est d'un côté. Elle est associée à une augmentation du nombre de cellules, mais relativement modérée. Donc pour les cas les plus discrets, on peut traiter. Et pour les cas les plus sévères, eh bien, on peut envisager la réforme. En cas de parenchyme dur, donc en cas d'induration, là aussi, on a de la fibrose. Pour les cas les plus discrets, traitement, mais ici on voit que le tissu est complètement infiltré, qu'il y a même des abcès, et donc dans ces cas sévères, évidemment, là aussi, c'est la réforme qui s'impose. Les abcès, je crois qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de question à avoir, et pour des questions de bien-être aussi, je pense qu'on peut, envisager la réforme en sachant qu'il n'y a pas de traitement qui pourra fonctionner.
Lorsqu'on a simplement ici des ganglions lymphatiques qui sont réactionnels, ça peut signer une inflammation éventuellement ponctuelle ou une infection qui est éventuellement un peu plus chronique. Normalement, ce type de symptômes ne doit pas donner lieu à de la réforme. On peut envisager simplement un traitement antibiotique. On a parlé ce matin des kystes lactés. Donc, je vous ai dit, généralement, ces kystes lactés, c'est non infectieux. Donc, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit, même si on a une petite augmentation des concentrations cellulaires. Mais quand on est à ce stade-là et qu'on n'arrive plus à poser correctement les faisceaux trailleurs et qu'il y a vraiment un handicap par rapport aux conditions de traite de l'animal, eh bien, dans un certain nombre d'élevages, j'ai vu effectivement des éleveurs qui réformaient sur ce type de critères parce que ça avait pris beaucoup trop d'ampleur. Et puis bien sûr, quand on a simplement des infections de la peau, soit on ne fait rien, soit on peut traiter avec des antibiotiques, mais il y a de toute façon plutôt une désinfection locale qu'il va falloir envisager. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe. Donc après, les traitements antibiotiques, est-ce que ça marche? Donc la réponse, c'est oui. Les taux de guérison dans la bibliographie, que ce soit en chèvre ou en brebis, elles sont de 65 à 94%, donc c'est élevé. Mais il faut le mettre en regard de la guérison spontanée qui elle-même est variable et peut être de 25 à 70%. Le côté préventif est inconstamment validé. On ne trouve pas forcément d'effets préventifs, notamment chez la brebis laitière où on a des durées de période sèche qui sont très longues. Et donc sur des durées de période sèche très longues, on ne voit plus forcément énormément d'effets préventifs à la fin. On va donc, j'en ai parlé, plutôt privilégier des traitements sélectifs. Il y a plusieurs essais chez la brebis qui montrent que c'est tout aussi efficace qu'un traitement systématique si on cible bien les animaux. Et économiquement, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Juste ici, un résultat d'une étude que je trouve intéressante parce qu'elle différenciait les différentes espèces de staphylocoques. Et on a ici en marron les résultats de guérison spontanée et ici les taux de guérison en utilisant les antibiotiques. Donc c'était vraiment une étude où l'efficacité du traitement était très importante, mais le taux de guérison spontanée était également très élevé. Ce qui je trouve intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de cas, c'est les infections à staphylocoque aureus qui ici ont guéri avec l'antibiotique à 73%, mais par contre il n'y avait aucune guérison spontanée. Non, j'en fais pas une généralité, mais c'est pour illustrer quand même l'intérêt. Donc, quand on met ensuite en place un traitement de ce type, il faut vraiment considérer que c'est un vrai chantier et qu'il faut le faire rigoureusement. Donc vérifier qu'il n'y a pas de mamie clinique, traire à fond la mamelle, bien désinfecter, utiliser une seringue entière par côté. Longtemps en France, pour faire des économies, on a mis des demi-seringues pour pouvoir multiplier les traitements. Bien désinfecter après application et bien sûr surveiller, enregistrer les résultats. Alors pourquoi je dis qu'il faut être très rigoureux? Ben, on a un peu l'explication ici. Vous avez là le sphincter du treillon, vous voyez sa taille et vous voyez ici la taille des embouts et notamment ici celui du naphtinzal. Ce sont des produits qui avaient été développés chez la vache et il n'y a pas eu d'études pour les aménager, pour les rendre plus appropriés aux petits ruminants. Et vous voyez qu'en fait, avec des embouts comme ça, eh bien forcément, on va plus ou moins créer un traumatisme de l'extrémité du sphincter. Donc il va falloir être très vigilant pour essayer de ne pas trop le léser. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a toujours à craindre des contaminations par l'environnement, notamment par des micro-organismes opportunistes, comme les aspergillus. On a parlé ce matin aussi des pseudomonas, et donc là, on les retrouve ici. Et là, ça peut vraiment faire, en termes de mammite, une hécatombe. Lorsqu'il y a des infections dues à ce type de pathogène. Et enfin, il y a l'aspect résidu, parce qu'évidemment, qui dit utilisation d'antibiotiques, dit aussi qu'il peut y avoir des résidus dans le lait, et donc il y a donc vraiment des délais d'attente qu'il faut vraiment respecter. Je ne sais pas si vous avez déjà éventuellement des questions sur cette partie-là. Ce que je peux peut-être rajouter, que je n'ai pas marqué de manière écrite, c'est que chez nous, en tout cas en France, on n'a pas forcément beaucoup de problèmes de résidus chez la brebis parce qu'on a des périodes sèches très longues. Mais par contre, chez la chèvre, elles sont au maximum de 60 jours, donc souvent elles sont relativement écourtées. Et on se retrouve dans des cas de figure
où on se retrouve assez régulièrement avec des problèmes d'inhibiteurs, y compris avec le nafpinzal, parce que nos tests de dépistage des inhibiteurs détectent en dessous des limites maximales de résidus et donc mettent en évidence la présence de traces d'antibiotiques alors même que tout s'est passé normalement. Donc pour nous, ça, c'est une vraie problématique qui pousse les éleveurs à de moins en moins utiliser les antibiotiques. Et donc là, je parle du nafpinzal, puisque c'est le seul homologué. Mais il existe des produits qui ont une action longue et qu'on utilise assez classiquement chez la vache contre les infections, notamment à Streptococcus uberis. Elles sont sans doute très efficaces, mais pour les éleveurs caprins français, les ont largement utilisées et ont systématiquement, mais alors là vraiment systématiquement, des problèmes d'inhibiteurs et ont été amenés parfois à jeter leur lait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, j'ai rien contre ces produits-là en termes d'efficacité, que je pense, je connais pas, mais je pense qu'ils sont vraiment très bons, il n'y a pas de souci. Mais la chèvre a quand même une façon d'éliminer les molécules étrangères, ce qu'on appelle les xénobiotiques, qui est un petit peu différente, et on a une vraie problématique de gestion des inhibiteurs. Donc maintenant, je vais parler des réservoirs cutanés, et on va évoquer plutôt le côté hygiène de traite. Donc là, on va s'intéresser aux infections de la peau et aux surinfections, avec ici quelques exemples. Donc là, ce sont des lésions dues à des papillomavirus qu'on trouve notamment chez la sanène. Elle a une peau blanche qui se photosensibilise plus facilement. Et donc quand elle va à l'extérieur, cette peau qui est beaucoup plus sensible a aussi plus de faculté à avoir ce type de lésion. Ici, c'est des staphylococci cutanés, donc on retrouve les petits boutons purulents classiques des staphylocoques. Et là, on est sur de l'ectima, qui en l'occurrence n'est pas surinfecté, mais on sait que c'est un virus qui s'accompagne assez largement de surinfections, et notamment de surinfections par des staphylocoques, notamment au virus. Donc, quels vont être nos objectifs ? L'idée, là, c'est de la prévention. Donc, on est là pour limiter les nouvelles infections, notamment en début de lactation, puisque c'est en début de lactation que surviennent le plus fréquemment les nouvelles infections. On peut aussi les utiliser lors d'épisodes cliniques. Donc, on peut soit faire de la désinfection avant la traite, après la traite, par trempage ou par pulvérisation. Alors, le pré-trempage. Chez la brebis, en France, c'est pas du tout, mais pas du tout utilisé. Même dans les filières au lait cru. Chez la chèvre, il y a quelques producteurs qui le font, mais nous, on le recommande aussi dans des situations un peu particulières, lorsqu'on a des infections, par exemple, dues à de la listériose, de la salmonellose ou certains coliformes. Et à ce moment-là, plutôt que de proposer une hygiène avant la traite, comme nos éleveurs ne sont pas très habitués, on préfère qu'ils fassent un bon pré-trempage plutôt qu'un mauvais nettoyage de mamelles. Donc c'est vraiment une mesure qu'on met en place notamment dans ces cas-là. Le pré-trempage, c'est vraiment une vraie organisation à mettre en place parce qu'il faut évidemment tremper. Puis ensuite, il faut laisser le temps d'action, environ 30 secondes. Et ensuite, il faut venir essuyer. Et donc dans la logique de traite par rapport au fait de poser les faisceaux trayeurs, c'est assez contraignant. Donc les éleveurs ont parfois du mal à s'organiser et ils le font parfois par quai entier. Le problème, c'est que quand on le fait par quai entier, ben, entre le début et la fin, il y a 10 minutes qui sont passées et ensuite on a du mal à essuyer les trayons parce que les produits ont séché. Donc ça fait partie des inconvénients, en sachant que dans le pré-trempage, l'action mécanique en essuyant est quasiment aussi importante, en tout cas elle a de véritable importance. C'est presque aussi important donc, que le produit lui-même, donc, que le désinfectant lui-même. Donc l'idée chez la vache, c'est d'avoir une bonne décontamination des couches profondes de l'épiderme et du canal du trayon, et c'est aussi intéressant pour la chèvre et la brebis, pour limiter les nouvelles infections. Donc à ma connaissance, il n'y a eu qu'une étude qui a été faite sur le pré-trempage, et donc en caprin, on avait à peu près 6 élevages qui ne faisaient pas de pré-trempage, et 6 élevages qui faisaient un pré-trempage. Et donc si on compare les taux de nouvelles infections, vous voyez qu'il y a une différence avec une réduction moyenne de 30% des nouvelles infections pour le lot qui avait réalisé un pré-trempage. On n'avait pas assez d'élevage dans l'étude pour que cette différence soit significative. Par rapport aux concentrations cellulaires, donc
les laits de réservoir, il n'y avait pas de différence. Donc, ni au niveau individuel, ni au niveau du troupeau, on a vu vraiment davantage à ça. Mais quand on regarde les résultats des laits de tank au fur et à mesure du temps, vous voyez que les différences s'accroissent sur la fin de la campagne. Avec des résultats beaucoup plus élevés dans les lots témoins, ici en jaune, que dans les lots qui avaient utilisé le pré-trempage. Si on fait maintenant de la désinfection, mais après la traite. Donc on a plusieurs indications qui sont possibles. Les mammites cliniques, les concentrations cellulaires, le fait d'avoir des staphylococcies sur la peau, des trayons qui sont lésés, qui sont abîmés. Globalement, tous les éleveurs qui utilisent des bains de trayons se rendent compte après que la peau des trayons est beaucoup plus souple, beaucoup plus belle, avec une meilleure qualité de peau. Donc là, notre objectif, c'est vraiment d'éliminer les bactéries qui sont en surface du trayon et celles qui se sont déposées pendant la traite parce que le manchon trayeur était lui-même contaminé. Donc on va tuer ces bactéries de manière à réduire les nouvelles infections, mais notre idée, ça n'est pas de protéger le trayon entre les traites. On est vraiment sur l'instantanéité de la protection du trayon à la fin de la traite. Donc là aussi, est-ce que ça marche? Donc là, c'est une étude qui avait été faite en trempant un côté et en laissant le témoin de l'autre côté. Et donc, on a ici les nouvelles infections pour les demi-mamelles témoins par rapport aux demi-mamelles traitées. Et l'écart le plus important, on l'a sur le démarrage de la lactation. Si on regarde l'ensemble de la lactation dans son intégralité, il y a quand même une différence de nouvelles infections. Il y a 40% de moins de nouvelles infections pour les demi-mamelles qui avaient eu ce trempage après la traite. Chez la brebis, donc là aussi il y a eu des essais de faits, là aussi en comparant donc, des lots témoins et des lots pulvérisés, en se fondant soit sur la bactériologie, soit sur les comptages de cellules, et dans les deux cas, il y avait aussi des différences significatives marquées entre le lot témoin et le lot pulvérisé. Donc des résultats assez comparables à ceux obtenus en caprin. Si on doit choisir un produit pour la désinfection des trayons, il y a plusieurs critères d'évaluation. Donc d'abord, quel type de produit, sous quelle forme, est-ce qu'il doit y avoir un cosmétique dedans, est-ce qu'il doit créer un film, est-ce qu'il doit avoir un effet barrière éventuel. Ensuite, on va se poser de la question, est-ce qu'on utilise le trempage ou est-ce qu'on utilise la pulvérisation? Et puis on va se demander aussi comment est-ce qu'on le met en œuvre. Vous voyez ici que pour une pulvérisation, le faire sur le côté, ça ne protège pas l'intégralité du trayon. Il faut donc bien se positionner sous le trayon. Donc le type de produit, tout marche. Hein. Les produits iodés sont évidemment intéressants et c'est à peu près les seuls qui ont peut-être une petite efficacité lorsqu'il y a des atteintes virales. Sinon, vous voyez que l'intégralité de ces produits, globalement, sont relativement intéressants pour des bactéries, qu'elles soient gram-positives ou gram-négatives. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va utiliser des produits conventionnels ou cosmétiques? Donc c'est peut-être moins intéressant pour la vache laitière d'avoir quelque chose de cosmétique, mais ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même une meilleure qualité de peau quand on utilise ce type de produit-là. Et les produits à effet barrière, et bien tout simplement, on n'en a pas l'utilité. Notre cible, c'est les staphylocoques, ce n'est pas les streptocoques, ce n'est pas des bactéries d'environnement. Donc on n'a pas besoin d'essayer de protéger, de filmer le trayon. Et comme on n'a souvent pas d'hygiène avant la traite, ces films, de toute façon, qu'on déposerait sur la peau du trayon, on ne les enlèverait pas avant la traite. Donc on laisserait sur la peau un film qu'on n'éliminerait pas et qui finirait par boucher les pores de la peau, voire même abîmer le trayon. Donc globalement, il n'y a pas a priori d'intérêt, sauf cas particulier, à utiliser des produits à effet barrière. Ensuite, la logique de désinfection, donc ici par trempage, c'est toujours la même, hein, on intervient le plus près possible après le retrait des faisceaux trayeurs et on essaie de couvrir au mieux donc les deux tiers du trayon. Intervenir le plus tôt possible après le retrait du faisceau trayeur, c'est pas si facile parce que quand la traite donc, elle se produit en à peine 2 minutes, et le temps qu'on fasse ça, eh bien, on a laissé brancher d'autres animaux qui vont être en surtraite. Donc une des solutions, si on n'a pas de système de retrait automatique,
c'est de faire la désinfection de tout le trait, de tout le quai d'un seul coup. Et en fait, dans ces cas-là, et bien c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le pré-trempage. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui ont été effectivement, dont les trillons ont été désinfectés juste après la dépose, et d'autres 10 minutes ou un quart d'heure plus tard. Et donc, il y a déjà eu des choses qui ont pu éventuellement se passer. Bon, un petit rappel, évidemment, bien renouveler la solution, nettoyer régulièrement le gobelet. Pour la désinfection par pulvérisation, le principe est le même, avec cette nécessité vraiment d'être en cône pour l'aspersion, de manière à bien couvrir l'intégralité du trillon. Et un petit mot supplémentaire sur les produits iodés. On peut nous-mêmes avoir des allergies à l'iode, et l'iode irrite les muqueuses, notamment les muqueuses respiratoires. Il faut faire attention aux projections oculaires. C'est pour ça que personnellement, je ne recommande pas de produits iodés en pulvérisation, même si l'iode, c'est vraiment des produits efficaces, mais en pulvérisation, mais là, purement pour des risques de santé humaine, d'allergie ou autre. J'évite de les proposer en pulvérisation. Donc, si on synthétise les avantages et les inconvénients, le pré-trempage, c'est vraiment une organisation à mettre en place. Il faut avoir des lieux de stockage pour le papier, il faut avoir des lieux pour éliminer le papier. Donc, il faut bien installer sa salle de traite. Mais par contre, ça se fait quand même plutôt bien. Et le post-trempage ou la pulvérisation, on peut le cibler sur des périodes à risque, par exemple le début de la campagne laitière, sur des lots éventuellement, par exemple les animaux sains, c'est pas forcément la peine de le faire sur des animaux infectés. Par contre, c'est une méthode, les chèvres notamment n'aiment pas trop recevoir un produit froid après la traite, donc elles bougent beaucoup. On a des mamelles qui sont un petit peu diverses, on a vu ce matin, et donc c'est pas forcément facile d'utiliser un bain de trillon, et c'est pour ça qu'assez souvent on utilise plus facilement la pulvérisation, qui est plus rapide à mettre en œuvre et donc beaucoup plus pratique. On a commencé à parler ce matin des conditions de traite, donc c'est un des sujets pour cet après-midi. Donc il y a trois grands risques associés à la traite. Il y a la contamination passive. Bon, il y a vraiment des bactéries qui se déposent sur les manchons trayeurs, et donc on peut les transférer d'un côté à l'autre, d'un animal à un autre. On a la transmission active des bactéries, qui peut se faire notamment à la suite d'entrées d'air. Et puis en fait, on peut également agresser le trillon et le sphincter. Donc, un triptyque, la traite, c'est une interaction entre l'animal, la machine et l'éleveur. Donc, sur la partie transmission passive, ce que je voudrais rappeler, c'est d'une part sa propre hygiène, donc avoir un bon nettoyage des mains, et bien sûr, il faut renouveler ce nettoyage si on intervient sur des animaux infectés. Le contrôle, l'entretien, le réglage de la machine à traire, c'est évidemment important avec son lavage. Les manchons contaminés, on sait qu'à partir d'un manchon contaminé, on peut contaminer les 6 animaux suivants. Donc c'est vraiment un vecteur qui est important, le manchon. Ça peut inciter à mettre en place en fait un ordre de traite, faire passer les animaux sains en premier, les prémipares par exemple en premier. Et puis, il faut penser aussi au renouvellement du matériel, à l'entretien régulier, globalement des caoutchoucs et notamment des manchons qui sont directement au contact du trillon, parce que quand ils sont abîmés, fissurés, ils sont difficiles à laver et ça devient vraiment des nids de bactéries. Et on va l'illustrer ici. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait dans 5 exploitations. On avait récupéré à intervalles réguliers des manchons trayeurs en caoutchouc. Des manchons trayeurs tous identiques, donc c'était les mêmes lots. Et donc là, vous avez, au bout d'un certain nombre de traites, la manière dont ils ont commencé progressivement à se fissurer, à s'altérer. Ici, c'est vraiment particulièrement net, déjà au bout de 3000 traites, voire même un petit peu avant, mais là c'est déjà assez criant. 3000 traites pour les élevages dans lesquels on est allé, ça correspondait à entre 4 et 9 mois de traite. Donc l'année n'était pas encore passée du tout. Alors ces fissures, elles ne sont pas tout à fait identiques en fonction de la zone.
Ici, c'est en haut du treillon, vous voyez, du manche outrailleur, pardon, où il y a des fissures donc, qui se forment au niveau de la zone d'embouchure. Et ici, on a ensuite des craquelures au niveau de ce qu'on appelle le plan de flambage, c'est-à-dire la zone où le manchon se replie sur lui-même. Et donc, on a un vieillissement en fait, du caoutchouc qui s'accompagne d'une souplesse qui devient plus grande. Il a plus de mal à s'ouvrir, mais il se ferme beaucoup plus facilement. Et d'une modification de la zone de massage. J'en reparlerai tout à l'heure. Là, ce qui nous intéresse, c'est le côté contamination passive. Et ça complète peut-être l'exposé de ce matin. On a regardé à la loupe binoculaire le dépôt d'amas de matière au fur et à mesure du temps. Et vous voyez que c'est criant, on voit qu'il y a vraiment des dépôts et que plus les manchons vieillissent, plus ils deviennent gras au toucher et difficiles à nettoyer. Ce sont des images qui ont été obtenues sur des manchons treilleurs qui avaient été lavés. Ce n'est pas avant lavage, c'est après lavage. Sur la partie transmission active des bactéries. Derrière la transmission active, on va parler en fait beaucoup de fluctuations de vide et de l'instabilité du vide sous le treillon. Et là aussi, c'est quelque chose que j'ai évoqué ce matin. On a vu les variations cycliques de vide, et notamment celles qui étaient liées à l'animal, donc j'en reparlerai pas, autour du débit du lait. Mais ces variations cycliques, elles peuvent dépendre aussi de la conception de l'installation de traite et des caractéristiques du faisceau treilleur. Par exemple, si le diamètre du tuyau courallé est insuffisant, on va avoir plus facilement des engorgements et plus de fluctuations. Donc sur la conception de la machine, donc là mon indicateur, ça va être les concentrations cellulaires à l'échelle du troupeau, donc au niveau des réservoirs, entre des lignes basses, en dessous du quai, et des lignes hautes ou intermédiaires. Et bien notre différentiel au niveau du troupeau, c'est 50 000 cellules. On se rend compte qu'en fait, le circuit de lait en ligne haute est beaucoup plus complexe et les fluctuations de vide sont beaucoup plus importantes. Donc, bah forcément, ce sont des risques qui sont accrus. Ici, vous avez l'observation de ce qui se passe sous le treillon lorsqu'il y a des fluctuations de vide. Donc ça, c'est vraiment obtenu sur l'animal. Ce matin, j'avais montré ce qui se passait sur une machine virtuelle. Mais là, on retrouve la même chose. Donc, on peut avoir une baisse du niveau de vide sous le treillon. Et dans un espèce d'effet rebond, le niveau de vide ensuite devient supérieur à celui qu'on a au niveau du collecteur. Et dans ces cas-là, on a des flux inversés, une traite humide, qui se produit notamment pendant la phase de succion. Et puis lorsque le niveau de vide descend très bas, ici on est à peine à 10 kPa alors que la machine était plutôt réglée à 38 kPa, eh bien on a des phénomènes plutôt d'engorgement, de glissement de faisceaux. Et là ce sont des problèmes qu'on va rencontrer plutôt en phase de massage. Donc pour gérer tout ça, il va falloir travailler sur l'instabilité du vide, essayer de limiter cette instabilité du vide. Et donc on va s'occuper de la régulation du vide. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte dans la régulation du vide, mais notamment le régulateur typique de nos exploitations qui devient très poussiéreux et qui, dans ces conditions-là, fonctionne relativement mal. Mais lorsque la régulation du vide ne se fait pas correctement, par rapport à une situation au contraire qui est positive, on a un écart, toujours à l'échelle des réservoirs, qui est de 60 000 cellules environ. Alors, j'ai parlé un peu d'entretien et pour ne pas parler tout le temps, je vous propose de vous montrer un autre aspect de la prévention de l'instabilité du vide au travers de l'entretien d'une partie du matériel. Les orifices calibrés désignent les petits trous par lesquels une quantité d'air contrôlée entre dans le faisceau. Souvent situés sur les gobelets trailleurs, ils peuvent également être positionnés sur le collecteur. Ces entrées d'air sont essentielles au bon écoulement du lait. Quelles conséquences peut-il y avoir lorsque ces orifices calibrés sont bouchés? Explication en images. Pour observer les conséquences d'un orifice calibré bouché, nous avons cherché à visualiser le flux du lait en utilisant un colorant, ici le bleu de méthylène, introduit à la base de l'étui grâce à un système de perfusion.
Et pour simuler un encrassement de l'orifice calibré, nous l'avons tout simplement obturé avec le doigt. Je sais pas, vous avez vu ? Lorsque le manchon est ouvert, le vide est stable sous le treillon et le lait peut ainsi s'écouler. Pendant que le manchon se referme, l'air se comprime, ce qui a pour effet de baisser le niveau de vide sous le treillon. L'aspiration de lait vers le collecteur est alors favorisée. Lorsque le manchon s'ouvre à nouveau, l'air se distend, ce qui provoque une augmentation du vide sous le treillon. L'air qui entre dans le gobelet compense ce phénomène. Si l'orifice calibré est bouché, l'air ne peut pas entrer et le lait peut remonter vers le treillon sous l'effet du gradient de pression inverse, sans que rien ne vienne le contrer. Des gouttes de lait se sont déposées à la surface du treillon. Une fois la traite terminée, le treillon reste humide. Les bactéries présentes dans le lait, qu'elles proviennent du matériel contaminé ou bien de la peau du treillon, sont susceptibles de pénétrer à l'intérieur de la mamelle. Cela peut se produire plus particulièrement en fin de traite tant que le canal du treillon reste ouvert. Les risques de survenue d'infection sont alors accrus. Pour éviter ce phénomène, il est nécessaire de déboucher les orifices calibrés dès qu'ils s'encrassent, qu'ils sont obturés par de la poussière, du dépôt calcaire ou encore des mouches. Pour cela, au début de chaque traite, un coup d'œil s'impose. Un orifice calibré bouché peut aussi se remarquer lorsque le poste de traite en fonctionnement fait moins de bruit. Pour déboucher les entrées d'air, utilisez l'aiguille fournie par le fabricant. Si celle-ci a deux côtés, utilisez uniquement le diamètre le plus petit, l'autre étant destiné au faisceau trayeur bovin. Ainsi, quelques gestes et un regard au quotidien permettent d'optimiser le fonctionnement des faisceaux trayeurs. Le bleu de méthylène, hein, c'est impressionnant. Vous avez vu comme ça, le treillon était vraiment très coloré. Donc là aussi, ça fait partie des petits paramètres d'entretien qui sont importants. On sous-estime beaucoup, notamment, ces petits orifices calibrés qui parfois s'encrassent aussi avec du calcaire. Donc attention à ça. Donc le deuxième élément, donc je vais passer maintenant aux fluctuations irrégulières du vide. Et derrière les fluctuations irrégulières du vide, on va parler donc des entrées d'air. Donc l'impact d'une entrée d'air, classiquement ce qu'on raconte, c'est que quand on a une entrée d'air d'un côté, ça va susciter une baisse du niveau de vide au niveau du collecteur. Et donc en réponse à cette baisse du niveau de vide, on a un ensemble de lait et d'air qui va remonter de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'impact. Ce phénomène d'impact, il est sûrement plus important lorsque la pulsation est alternée, c'est-à-dire qu'on extrait du lait de manière alternée d'un côté à l'autre. C'est vrai qu'en France, on a de plus en plus d'exploitations où c'est cette façon de faire, mais sinon avant, c'était souvent une traite simultanée des deux côtés en même temps, et dans ce cas-là, je pense que le phénomène d'impact est peut-être moins grave, mais qu'il y a peut-être, à contrario, plus de problèmes d'engorgement. Alors pour illustrer ce que peut faire un certain nombre de gestes, de conditions de traite, on va utiliser ici un petit outil qui s'appelle le VADIA, qu'on pose sur le faisceau trayeur. Ce VADIA va permettre de mesurer les fluctuations de vide à différents endroits. Au niveau ici des embouchures des deux côtés, en rouge du côté gauche, en bleu du côté droit, et d'autre part au niveau du collecteur, donc quasiment on va dire que on a une mesure qui est proche de celle qui pourrait y avoir sous le treillon. Et donc là, vous avez une courbe classique obtenue chez la chèvre avec différentes étapes. Là, vous avez le début de la traite. Ici, ça commence très haut, puis ensuite le niveau de vide va diminuer au niveau des embouchures. Là, on commence à avoir des fluctuations importantes sous le treillon. On a ici atteint le débit maximal. Et puis quand on a une remontée comme ça, ça signe que la mamelle se vidange. Donc là, c'est vraiment le signe de la vidange d'un côté puis de l'autre. Donc il y a un petit écart entre les deux. Et quand on a ces fluctuations-là ici, ça signe de la surtraite. Donc vous avez ici une image qui vous montre ce qui se passe en termes de fluctuations de vide à différents endroits. Et je vais utiliser ce type de graphique à plusieurs moments tout à l'heure. Donc pour vous montrer l'importance de tout ce qui se passe pendant la traite, je vais passer un ensemble de vidéos. Et à chaque fois, ça va aller relativement vite, donc soyez vigilants. Des entrées d'air. Donc là, vous avez eu un exemple qui s'entend très bien. On est en fin de traite et on entend ce couinement. Et vous avez vu, en même temps, il y avait le bruit de l'entrée d'air et en même temps, ce mouvement du manchon qui crée une irritation le long du corps du manchon.
Eh bien, en image, qu'est-ce que ça donne? C'est pas la même chèvre, mais c'est à peu près le même genre de situation. Vous avez ici un début de surtraite. Au moment où cet animal il a commencé à être surtrait, on a des fluctuations de vide sous le treillon qui ont commencé à augmenter. Et là, c'est toute la période où il y a eu l'entrée d'air. Vous voyez que cette entrée d'air qui a commencé au moment où il y a eu la fin de la vidange d'un côté, se traduit par des fluctuations de vide extrêmement importantes sous le treillon de l'ordre d'ici de 20 kPa. Donc une entrée d'air, même en fin de traite, ça n'est pas rien. Les entrées d'air, elles peuvent être en fin de traite, elles peuvent être à la pose des faisceaux trayeurs. Donc là aussi, vous avez dû remarquer plusieurs gestes. Vous avez d'abord entendu le bruit. Et l'éleveuse a eu deux gestes. Peut-être on va la repasser. Si j'y arrive. Ce faisceau trayeur, il comporte une espèce de clapet coulissant qui est manipulé. Et au moment où on le positionne, l'éleveur appuie dessus. Ça permet d'ouvrir le vide. À ce moment-là, il y a une entrée d'air, d'où le bruit. Et ensuite, on pose le faisceau. L'autre chose importante qu'a fait l'éleveuse ici, c'était positionner correctement la ficelle qui permet de remonter le faisceau trayeur de manière à ce que le faisceau soit bien positionné sous la mamelle. Et ça, c'était un très beau geste. Alors là, vous avez entendu un bruit aussi. C'était la chèvre d'à côté. Mais sinon, pour la chèvre qui était en train d'être traite, en principe, si vous focalisez sur cet animal-là, il n'y avait pas de bruit. C'est pas le même type de faisceau trayeur. Donc le message là, ici, que je voudrais vous dire, c'est que les gestes de la pose et les risques d'entrée d'air ne sont pas les mêmes en fonction du matériel qu'on a dans les mains. Encore un peu de pose. Donc là, oh, il n'y avait pas de bruit, donc forcément vous n'avez rien entendu. Ça c'est normal, mais peut-être avez-vous regardé la position des mains du trayeur. Je recommence. Regardez bien ses mains. Elles sont en dessous. Là en fait ce qu'il a fait, qui n'est pas bien du tout, c'est qu'il a appuyé sur une valve. En appuyant sur cette valve, il a aussi ouvert le faisceau trayeur, il y a eu une entrée d'air, donc je n'ai pas mis le son, donc on ne l'entend pas. Mais globalement, en fait, pourquoi il a fait ça? Parce que quand on ouvre le faisceau trayeur, le treillon est aspiré et donc il se positionne très bien à l'intérieur du manchon. Mais il y a une entrée d'air. Or, ce type de matériel, c'est justement fait pour avoir un système de valves qui évite les entrées d'air. Donc si on les manipule dans le sens inverse, c'est comme si on utilisait de travers son matériel. On retrouve le même manchon que tout à l'heure et vous avez vu quelque chose peut-être. Je vois, il y a des gens qui rient. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah oui. Elle n'a pas coupé le vide et elle est passée d'une chèvre à une autre. Alors ça, c'est un grand classique de chez nous. Comment aller plus vite à la traite? Eh bien, on prend un faisceau. On était allé pour la filmer, mais vraiment, elle a fait ça spontanément, c'était merveilleux. C'est sûr, on gagne beaucoup, beaucoup de temps comme ça. Mais qu'est-ce qu'on favorise les transmissions de bactéries d'un animal à un autre? C'est formidable, mais on gagne beaucoup de temps, beaucoup de temps. Après avoir posé, il faut déposer les faisceaux trayeurs. Hop, allez. Bien. Donc là, vous avez vu le geste, c'est toujours le même système coulissant. Et bien là, quand elle appuie dessus, en fait, elle coupe le vide. Et donc le retrait se fait en douceur. Le geste était parfait. Autre possibilité, utilisation d'une pince. Les éleveurs de chez nous, là, j'en ai trouvé un, je suis trop contente pour les images, mais personne n'utilise de pince.
Mais c'est un moyen de couper le vide. Autre façon, on peut plier le tuyau couralé. Et donc là aussi, c'est une bonne façon de couper le vide avant la pose, y compris d'un seul côté. Ça pose pas de souci de couper que d'un côté, parce que ces systèmes-là, justement, qui ont une valve, sont vraiment faits pour que la coupure de vide d'après soit complètement faite. Donc il n'y a plus d'entrée d'air du côté qu'on a déposé. Donc ça ne pose pas de problème. Donc si je fais un petit résumé, parce que là vous avez vu beaucoup de situations, mais le principe il est là, il peut y avoir, donc ça on ne l'a pas vu, mais des clapets manuels qui sont en général positionnés ici sur le collecteur, sur la griffe, et ça peut permettre manuellement de couper le vide à la dépose, mais on ne limite pas les entrées d'air à la pose et on ne les limite pas lorsque le faisceau chute. On peut avoir ce type de choses où là la valve est située en dessous. Donc c'est une valve automatique, elle est faite pour limiter les entrées d'air à la pose, à condition de ne pas appuyer dessus quand on pose le faisceau. Si le faisceau chute, ça coupe le vide, pas de souci, mais ça n'est pas un système de dépose automatique. Voilà, donc il peut y avoir des entrées d'air. Donc surtout, voilà, ne pas la bloquer en position traite, ne pas l'armer au moment de la pose. Bon, la dépose automatique, évidemment, c'est un système de dépose automatique. Et vous avez aussi ce petit système-là qu'on a vu plusieurs fois, qui peut être manipulé. Donc on le coupe, on peut le manipuler notamment en fin de traite pour couper le vide. Comment savoir à quel faisceau on a affaire? Il y a une astuce qui n'est pas compliquée. On met son pouce à l'intérieur du faisceau trayeur. Et si le pouce est broyé, c'est qu'on a un système de valve automatique. On sait que ça marche. Donc en fonction du matériel dont on dispose, eh bien, on ne va pas avoir la même attention aux gestes que l'on doit faire. Ou vous, en tant que conseiller ou en tant que vétérinaire, vous savez quels sont les risques qu'il peut y avoir à la pose ou à la dépose en fonction du matériel. Bon, et puis bien sûr, eh bien, les éleveurs aiment bien récupérer du lait. Donc, hop. Elle est traite, hein, pas de doute. Mais elle va être essorée, je pense. Et l'éleveur repassait, il reposait derrière. Des fois qu'il reste un petit peu quelque chose. Voilà. D'autres types de manipulations. Massage. Égouttage. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait tout ça? Eh bien, quelques exemples de courbes, ici chez la chèvre, ici chez la brebis. C'est à peu près la même chose. Donc vous avez maintenant l'habitude de ces petites images. Donc là, vous voyez qu'on a démarré la surtraite à gauche, puis la surtraite à droite. Donc l'animal, il ne donne plus de lait. Hein. Et puis là, on le masse pour essorer la mamelle, et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas plus de lait, mais par contre on a de belles fluctuations du vide. Et chez la brebis, eh bien, même type de constat, on a de très fortes fluctuations du vide ici lorsque la mamelle est manipulée pour un gain de lait qui est modeste. Lorsque on a ici, donc, même genre de courbe, on a ici une chute de faisceau, et on voit que au niveau sous le trayon, on a également, au moment de la chute, une fluctuation du vide qui est importante, et à nouveau quand c'est le deuxième faisceau qui se met à tomber à son tour. Vous avez vu différents types de faisceaux trayeurs, donc vous savez tous qu'il faut couper le vide avant de déposer les faisceaux. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui est fait. Ici, il y avait effectivement une coupure du vide. Ici, on est dans une situation où on a arraché le faisceau. Le truc classique chez nos éleveurs, c'est pour pouvoir enlever les faisceaux trieurs qui ont une valve, eh bien, on sait que ça va couper le vide si on fait une entrée d'air. Donc ils la font. Ils mettent le pouce, ils créent une entrée d'air, puis après ils tirent. Ou parfois ils ne mettent pas le pouce et ils tirent d'emblée. C'est un petit peu agressif parfois. Et dans ces cas-là, eh bien, on a aussi de fortes fluctuations du vide, donc c'est perturbé au moment de l'arrachage. Et j'aime bien ces courbes parce que ça permet de le prouver, en fait. Parce que
que nos éleveurs ne sont pas toujours... Ils doutent, mais moi aussi, je doute. J'aime bien voir en vrai ce qui se passe, parce que moi aussi, je me pose des questions et je me dis que... Est-ce que la littérature dit toujours la vérité? J'aime bien pouvoir le vérifier. Ensuite, je vais parler maintenant des engorgements. Donc, ça peut être soit vraiment une traite humide, soit les gradients de pression inverse. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Les risques dépendent du type de pulsation, je l'ai dit, alternée ou simultanée, du volume de la griffe. Quand on a un collecteur qui a un vrai volume, ça fait un peu de tampon. Et donc, on a moins de risques d'engorgement. Ça dépend du type de manchon, du diamètre du tuyau couralé, s'il est trop petit, et c'était le cas notamment du matériel de traite d'il y a quelques années, mais c'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui, ben, ça bouchonne au moment, à l'endroit où le tuyau couralé devient un peu petit. Et puis évidemment, quand on a des débits de lait très importants, des chefs qui donnent beaucoup de lait rapidement, eh ben, il y a plus de risques d'engorgement. La preuve, vous voyez ici, donc on a vu les orifices calibrés bouchés. On les avait bouchés à la main, on les a bouchés avec de la pâte à fixe, mais là c'est tout simplement une bouche. Donc quelque chose de classique, il y a des moments où les élevages sont remplis de mouches, et on voit que quand c'est bouché, eh bien, on a ces forts engorgements qui se traduisent aussi par des fluctuations de vide très importantes sous le treillis. D'autres petites choses qui sont importantes à regarder dans les élevages, c'est le bon positionnement des faisceaux treilleurs. Vous avez vu donc la vidéo sur les orifices calibrés bouchés. Donc là, c'était dans la foulée. On a essayé de simuler différentes positions du faisceau treilleur. Donc le système est le même. On a injecté du bleu de méthylène dans le tuyau pour visualiser ce qui se passait. Donc là, vous avez un flux qui est laminaire, normal. Puis là, on tire sur le faisceau. Et on voit tous ces bouchons de lait qui se font de plus en plus. Et là, typiquement, on est dans la situation, nous, dans nos élevages, on utilise un même faisceau treilleur pour plusieurs animaux, d'un quai à l'autre parfois, ou pour traire 2, 3, 4 chèvres. Et donc, on a des tuyaux qu'on va tirer comme ça. Et donc, les faisceaux treilleurs sont parfois très mal positionnés. Donc là, ça nous permet de voir aussi ce qui se passe et tous les bouchons de lait que ça suscite. Et puis globalement, pour parler de la traite, je dirais que c'est aussi une organisation. La contention des animaux se reléguer, parfois c'est important. Là, on a deux couches d'animaux. Donc quand ils sont couchés par terre, c'est pas très facile à traire. Ici, on retrouve de manière assez magique des tuyaux très embrouillés. C'est tellement facile, ils sont tellement légers, on peut en faire un peu n'importe quoi. Donc on peut traire deux animaux en même temps. Et puis cette chèvre-là, elle était sympa, mais elle têtait aussi les mamelles qui étaient au-dessus. Et à un moment, j'ai pensé que c'était du folklore, j'avais été au fin fond de mon sud-ouest, donc je m'étais dit bon. Mais après, j'ai été dans des élevages très hauts techniquement de Poitou-Charentes et j'ai vu la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on fait chez nous, ça. Je vais maintenant vous parler de la partie traumatique. Donc, comme j'ai dit ce matin, les lésions des treillons, c'est un problème de chèvre surtout. Donc je vais parler chèvre. Donc, l'action traumatique, c'est des pratiques et des réglages qui doivent être adaptés. Donc, on va essayer de limiter l'agressivité de la traite. On va essayer de limiter ce que vous avez vu tout à l'heure, l'égouttage, la repasse, la surtraite, globalement les entrées d'air. Et donc, on s'intéresse à la fois au réglage de la machine et aux techniques de traite. Les lésions, les voilà. Je les récapitule. On en a aussi parlé ce matin. Donc, les anneaux de compression, ici. Des congestions avec un afflux de sang à l'extrémité, des kystes lactées, ici un, déjà ici plusieurs, de l'hyperkératose avec l'accumulation de la kératine à l'extrémité du treillon, ici aussi, et puis là des pincements. Donc pour ce qui est donc des congestions notamment, on est souvent sur des problèmes de massage, de qualité de massage, notamment de rapport de pulsation. Donc, fréquence de pulsation également. Le niveau de vide, on sait que lorsqu'il est trop élevé, il va être plus agressif, mais ça permet une traite qui va être rapide. Par contre, on va avoir plus de lait d'égouttage, il y a plus de lésions. Lorsqu'il est trop faible, ce vide, eh bien, on a moins de lait d'égouttage, mais on peut avoir une traite qui est plus longue, et ça favorise notamment l'accumulation de la kératine.
Donc juste quelques éléments de réglage pour avoir quelques idées en tête. Les niveaux de vide sont différents selon qu'on est en ligne haute ou en ligne basse. En ligne haute, ils sont plus élevés. Donc on est sur 36 à 38 kPa. Vous voyez, en fonction de nos bassins de production, Roquefort ou Pyrénées-Atlantiques, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. On est plutôt à 38 à 40 kPa en Caprin. En ligne basse, on est évidemment en dessous. En termes de pulsations, en Caprin, on est plutôt à 90 pulsations minute, en Auvin, plus élevé, 150 à 180. Les rapports de pulsations, généralement, en chef, 6-60, 40 et 50-50 en Auvin. Et les manchons trayeurs, on a parlé de l'importance de leur renouvellement. Normalement, on dit que les manchons en silicone, ça peut tenir 2 campagnes, et les manchons en caoutchouc, 1 campagne. Mais vous avez vu que finalement, au bout de 4 à 9 mois, ils pouvaient déjà être très abîmés. Donc, je ne sais pas si même les manchons en silicone, il ne faudrait pas les faire, les utiliser que pendant une seule campagne. Voilà. Et puis, bien sûr, vérifier leur état. Alors, sur les informations que je vais vous donner maintenant, ne retenez pas forcément les chiffres. C'est des chiffres qui correspondent à notre situation française et qui ne sont pas forcément ceux que vous obtiendriez chez vous. Mais ça donne un peu des ordres de grandeur, des facteurs qu'on a mis en évidence. Donc sur la fréquence de pulsation, notre référence donc c'est 90 pulsations par minute. Et là on a vu les niveaux cellulaires pour les élevages qui étaient avec des pulsations inférieures en fréquence ou supérieures. Que ce soit inférieur ou supérieur, à chaque fois la situation cellulaire, elle était dégradée, mais particulièrement quand elle était insuffisante. Et on a eu un écart comme ça qui pouvait atteindre jusqu'à 300 000 cellules dans nos exploitations. Donc là, on met ça sur le compte d'un massage de la mamelle qui n'est pas correct. Pour le niveau de vide, on fait normalement annuellement des bilans des installations de traite et on a 6 paramètres qu'on juge satisfaisant ou non satisfaisant avant la traite, satisfaisant ou non satisfaisant après le contrôle. Et donc lorsque le niveau de vide n'a pas pu être corrigé au moment du contrôle de l'installation de traite, qu'il est non satisfaisant après contrôle, eh bien on se rend compte que c'est aussi associé à des niveaux cellulaires des réservoirs qui sont très augmentés. Pour l'état des faisceaux trayeurs, quand c'est non satisfaisant, c'est aussi 50 000 cellules de plus. Non satisfaisant, ça peut juste vouloir dire qu'ils sont sales ou qu'ils doivent être juste changés. C'est pas forcément, ou encore que les orifices calibrés sont bouchés. C'est pas forcément des choses dramatiques. Nous, dans nos exploitations en France, une exploitation sur deux, quand on fait le contrôle, a des faisceaux trayeurs qui ne sont pas satisfaisants. Donc c'est un petit peu tout ça. Hein. C'est des collerettes qui sont déformées. C'est des manchons ici qui sont coupés. Et ici, c'est des manchons qui sont vrillés à l'intérieur. Ça se voit bien aussi quand vous l'avez de face. Là, vous voyez que ça, c'est un manchon normal. Et là, il est vrillé. Ça fait comme une petite spirale. Donc rien qu'en regardant le manchon comme ça, vous pouvez vous rendre compte, même si le tube n'est pas transparent comme ici, s'il est vrillé ou pas vrillé. Et évidemment, dans ce cas-là, le trayon ne peut pas se positionner correctement. Et la traite ne se fait pas non plus de façon convenable. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que quand les manchons vieillissent, eh bien, petit à petit, ils s'aplatissent à force de s'appuyer comme ça, ils finissent par s'aplatir, ils se déforment et on a une déformation qui est supérieure à 5% à partir de 2500 traites. Au fur et à mesure du temps aussi, on se rend compte que là, vous avez la zone où ils s'aplatissent sur lui-même et là, il y a une distance qu'on peut mesurer. Eh bien, au fur et à mesure du temps, cette distance augmente. Ça veut dire que plus les manchons vieillissent, moins la zone de massage va être optimale pour les trayons. C'est-à-dire que quand on a des manchons qui ont vieilli, ils sont devenus souples, ils s'aplatissent plus vite et ils ne massent plus forcément au bon endroit. Donc c'est vraiment important de renouveler et d'entretenir très correctement, notamment les manchons trayeurs. Ça c'est pour vous dire que c'est très important de contrôler les machines à traire. Donc notre référence c'est d'avoir au moins 3 voire 4 contrôles sur 3 ans et demi. Et donc là, c'est les niveaux cellulaires, délai de tank, selon qu'on a eu un seul contrôle en 3 ans, 2 ou 3. Et il n'y a pas photo, hein, ceux qui ne font pas beaucoup de contrôles de leur installation de traite ont aussi des niveaux cellulaires qui sont très augmentés. La surtraite.
Alors la surtraite, bon, on dit toujours que c'est quelque chose qui est très négatif, mais nous, ce qu'on a remarqué dans nos essais, c'est que quand il n'y avait pas une grosse exposition des animaux aux infections, lorsque les mamelles étaient belles, lorsque les animaux étaient sains au départ, la surtraite, ça ne fait pas forcément grand-chose. La surtraite, c'est un peu la goutte qui fait tout déborder. Et donc, c'est associé à d'autres facteurs, des niveaux de vide trop élevés, des défauts de pulsation, des manchons inadaptés, que ça pose vraiment problème. Et ce qui pose problème, c'est notamment, c'est pas une surtraite de temps en temps, c'est le fait qu'elle soit longue, chronique, répétée. Et là, on expose l'animal au risque. Donc, par rapport à cette surtraite, on a essayé de regarder l'influence du nombre de postes par trayeur. Donc là, notre référence, c'est un trayeur qui aurait 15 ou 20 postes à gérer. Et où vous voyez qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup de postes, c'est pas forcément bien non plus. Peut-être parce que nos installations qui n'ont pas beaucoup de postes, elles sont souvent un petit peu vieilles et pas très, voilà, pas très opérationnelles. Mais quand on en a plus de 20 par trayeur, on remarque effectivement, eh ben, on a une situation qui est également dégradée. Et donc j'en arrive à la fin de mon exposé. Là, j'ai passé en revue un certain nombre de choses, mais je voudrais juste vous mettre l'accent rapidement en trois mots sur tout ce qu'il faudrait gérer aussi. La sélection des animaux, on en a parlé ce matin avec tous les critères qu'on peut mettre en place. C'est vraiment un bel outil, la sélection, pour travailler dans le temps. Le fait qu'un troupeau, il doit être bien soigné et dans un environnement sain. On a fait récemment des enquêtes en France pour essayer de trouver les éleveurs qui réussissaient le mieux sur le plan des niveaux cellulaires. Et ce sont les personnes qui s'en occupaient pas tant que ça, mais qui faisaient tout en prenant soin de leurs animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient intégré la gestion de la qualité du lait dans leur logique d'élevage habituelle. Et donc, ils avaient voilà, des conditions de bien-être, de soins aux animaux qui étaient bonnes. Et c'était un ensemble. Ils faisaient les choses de manière assez intégrée. Il faut bien penser qu'un animal en bonne santé, c'est la clé de tout. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Est-ce qu'il y a des questions pour... Juste une petite question. Dans les facteurs de risque, la présence de l'agneau à la mamelle pendant une longue période ne serait pas un facteur dans les cas où, surtout, on a une cystaphoréuse, où on devrait éviter d'avoir justement une période de contact avec la mère trop longue. Je sais que dans mes élevages, moi, je recommande de les mettre au lait de remplacement le plus tôt possible pour justement, premièrement, bonifier la quantité de lait par brebis ou par chien, mais deuxièmement aussi au niveau... transmission, là, je pense que ça devrait être une bonne chose. C'est quoi votre avis là-dessus? Alors, dans les élevages de brebis qui font... donc, chez nous, évidemment, ils ont... Enfin, évidemment. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait en brebis, et contrairement aux chèvres. Ils ont des agneaux sous les mères. Et ce qu'on remarque, ce sont des infections, mais à d'autres types de pathogènes. Pas forcément des staphylocoques, mais plutôt des manémias qui sont transportés par les bouches des agneaux. Donc effectivement, les périodes d'allaitement peuvent être accompagnées de mammites cliniques et d'un certain nombre d'infections, mais pas forcément dues à des staphylocoques. Je pense que la majeure partie, c'est plutôt des manémias. Je ne suis pas la mieux placée pour parler des brebis, c'est moins ma spécialité. C'est les collègues de Toulouse qui travaillent plus là-dessus, mais globalement, je n'ai pas vu d'obstacle forcément par rapport à l'aspect staphylocoque. Ce n'est pas forcément cette problématique-là qu'on a. Mais globalement, en viendriez-vous à recommander le retrait plus hâtif des agneaux? Si, d'après vous, ce n'est pas un facteur important? Clairement, il y a des mammites cliniques. Donc je pense que, pour l'expérience du rayon de Roquefort, c'est clair qu'à la suite de ces mammites cliniques, ils vont éliminer un certain nombre d'animaux. En revanche, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il semblerait quand même que l'action de l'agneau prépare le trayon à la traite et qu'ensuite ça peut devenir quelque chose de positif. Donc je ne sais pas si ça se contrebalance, mais aujourd'hui, franchement, non, je ne recommanderais pas spécialement de retirer les agneaux, même si là où vous avez raison, c'est que les niveaux cellulaires, et ça on l'a vraiment remarqué, ils sont supérieurs lorsqu'on a une portée par exemple qui est plus grande. Si on a deux agneaux par rapport à un agneau, les niveaux cellulaires sont plus élevés. Mais de là à recommander de les soustraire à la mère plus tôt. Bon, après, on n'est pas forcément dans les mêmes conduites d'élevage. Il reste, chez nous, à peu près 3 semaines.
un mois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour chez vous, je ne sais pas. Ça en est à chaud. Après, voilà, j'ai pas de réponse vraiment évidente parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question dans ces termes-là. Parce qu'à cause des cahiers des charges, on est finalement dans des choses assez, assez calées. Donc il n'y a pas toujours trop le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une des premières diapos que vous avez montrées, vous parliez de la prévention au tarissement. Vous avez mis un petit mot dans un coin à droite, vaccin. Oui. Qu'est-ce qui est utilisé? Est-ce que c'est le vaccin? Alors, à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul hein, qui existe. C'est le Vimco qui est commercialisé par IPRA. Même dans la notice du vaccin, ils disent que c'est un outil parmi tant d'autres. Et après, la question c'est est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace? Il y a quelques publications chez la brebis qui tentent à montrer que ça peut avoir un intérêt, mais associé à tout un ensemble d'autres pratiques, vraiment comme dans une mallette à outils où on utilise en plus de l'hygiène, en plus de la réforme, en plus de la génétique, donc c'est un outil parmi les autres. Les chercheurs que je connais sont relativement réticents, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça suscite effectivement une immunité, mais une immunité qui n'est pas une immunisation globale, quoi, indirecte, pas forcément liée à ce qu'il y a à l'intérieur du vaccin. Donc je ne sais pas forcément quoi en penser, il n'est pas répandu encore en France. Et en fait, je suis en train de travailler là-dessus, puisqu'en fait, c'est à ce à quoi je consacre mes soirées en ce moment. On est en train d'analyser des données du terrain en caprin pour voir si, de la manière dont les éleveurs l'ont utilisé, ça a effectivement un impact positif ou pas sur les concentrations cellulaires. Et comme je suis en train d'analyser les données, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais de toute façon, c'est forcément pas miraculeux, quoi. Parce que présentement, nous, on a le pandas au Canada qui est le top bar. Oui. Mais on l'utilise surtout chez les vaches pour les bactéries environnementales. Oui, parce qu'il y a à la fois les colis et puis les staphylocoques. Mais rien pour les staphylocoques. Ben, je ne vous conseille pas spécialement de l'utiliser celui-là pour les petits ruminants, parce qu'en fait vous avez quand même la balance colis qui provoque une réaction qui est assez importante. Et les éleveurs de chèvres qui l'ont utilisé avant qu'il y ait le Vimco commercialisé ont parfois eu des réactions très très intenses, des chèvres qui réagissaient vraiment très très mal au vaccin. Donc, je ne suis pas tentée d'utiliser cette formule-là par contre. Le Vimco, à la limite, pourquoi pas, mais j'aimerais quand même m'assurer. Ce qu'il y a comme information dans leur documentation, c'est assez pauvre en fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ils disent finalement que ça réduit un peu les signes cliniques, mais on n'a pas beaucoup de mammites cliniques. Donc voilà, c'est un staphylococcus aureus qui crée des biofilms, d'accord, mais on n'a pas beaucoup de staphylococcus aureus. Donc moi aussi, j'ai envie d'avoir un petit peu la preuve avant de pousser les gens à l'utiliser. Donc on essaye de regarder en ce moment. Je sais que mes collègues qui travaillent chez la brebis ont fait un essai, mais pour l'instant, le laboratoire ne les laisse pas publier leurs résultats. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la technique de traite, est-ce qu'il est recommandé, avant de faire la traite, de faire un nettoyage, un assèchement du treillon et d'enlever les premiers jets? Puis un bain de treillon par la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ah, vous posez deux questions différentes. Qui se fait et qui est recommandé. Alors, ce qui se fait chez nous, rien. Voilà. Il y a quelques éleveurs qui parfois regardent les premiers jets. Il y a quelques éleveurs qui parfois, chez la chèvre, font du pré-trempage. Chez nous, il y a quelques éleveurs aussi qui font un essuyage à sec des treillons, dont je ne connais pas l'efficacité. Et après, on a quand même un certain nombre d'éleveurs, notamment chez ceux qui ont des forts niveaux de production avec beaucoup d'animaux, qui font un bain de treillon après la traite. Je connais quasiment personne qui fasse la totalité. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on fait. Après, qu'est-ce qui est recommandé? C'est toujours des compromis qu'on fait. Donc, regardez les premiers jets de lait. Quand je vois le nombre de fois où, en vous manipulant un animal, je trouve un lait qui est modifié. Je me dis que quand même, on manque sans doute un certain nombre d'infections cliniques.
et que ça serait peut-être intéressant de les regarder d'un peu plus près, ces premiers jets. Oui, je serais tentée de le proposer. Après, nos éleveurs veulent aller vite, et donc ils sont très réticents à faire ce genre de choses parce que ça prend du temps. Ensuite, pour un nettoyage de la mamelle. La mamelle est plus propre évidemment que chez la vache. Nous, on n'a pas poussé les gens à utiliser des lavettes parce qu'on a eu peur qu'elles soient mal utilisées, qu'elles soient mal lavées, que ça ne soit pas assez essoré, que finalement on se retrouve avec de l'eau qui dégouline et que ça ne soit pas correct. Donc on ne les a pas incités à faire ça. Par contre, on a fait vraiment la proposition que je montrais, c'est-à-dire du pré-trempage. Et il y a un certain nombre d'éleveurs qui l'ont effectivement adopté. On n'ose pas proposer à la fois un pré-trempage et un post-trempage. On n'ose vraiment pas. Pré-trempage ou post-trempage, pour moi, c'est un peu équivalent. On a finalement obtenu des résultats qui étaient assez comparables. J'ai vu dans des situations de mammites cliniques vraiment l'intérêt du post-trempage de manière très claire, où ça réduisait vraiment la contamination d'un animal à un autre. Je trouve qu'en termes de facilité de mise en œuvre, c'est plus facile de faire après la traite parce qu'on peut faire de la pulvérisation, que ça va assez vite et que ça ne gêne pas la pose des faisceaux trayeurs, parce que c'était vraiment compliqué pour les éleveurs de tremper, d'attendre, d'essuyer, alors que le temps passe et qu'ils ont beaucoup d'animaux à traire, et quand ils faisaient que deux ou trois animaux, après ils ne savaient plus qui ils avaient nettoyé, pas nettoyé. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué à gérer, alors que le post-trempage c'est plus facile quand même, et si on a la chance d'avoir une dépose automatique en plus bien réglée, à ce moment-là on n'a plus à penser, à regarder, et on peut facilement se débrouiller pour faire la pulvérisation après la traite. Donc si j'avais à choisir, je pense qu'en termes de facilité, je pousserais un peu à faire les premiers jets, si les gens veulent bien m'écouter, et au moins à faire une pulvérisation après la traite, je pense qu'il y a un vrai intérêt à faire ça. Puis après, il y a tous les cas particuliers que j'ai montrés. Honnêtement, nous, quand on a des vrais problèmes de pathogènes, parce qu'on travaille beaucoup en lait cru, quand on a de la salmonella, de la listériose, etc., donc là, pré-trempage, absolument. C'est là ? Pour ne pas prendre trop de retard sur la prochaine conférence, je vous remercie beaucoup pour cette belle conférence.